Me voici presque arrivé au pied de la Grande Sassière. On voit bien l'itinéraire là. Je vais encore monter en voiture jusqu'au barrage du Sault qui est juste un peu plus haut. Ensuite, ça va traverser pour rejoindre l'épaule qui est là-haut. Puis ça suit toute la crête jusqu'au sommet. Voilà, c'est un itinéraire très esthétique. Et très exigeant aussi. Bon, il faut partir assez tard pour pas que le sommet soit gelé. C'est plus prudent. Début de la course, du parking, ça grimpe tout droit. Et ensuite, ça va bifurquer sur la gauche pour rejoindre un peu l'alpage, pour remonter ensuite vers la crête. Ne pas partir trop tôt. Prévoir d'être en haut entre 13h et 16h. Parce qu'au sommet, en dehors de 16h, tout est gelé. Traversée tranquille de la prairie jusqu'au premier passage délicat. Si ça vous fait peur ici, ben c'est pas la peine d'aller plus loin. Première traversée bien caillouteuse. Bon, c'est pas très difficile par contre. Mais si vous passez pas là, c'est pas la peine de continuer. Petit replat avant la première difficulté. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent ici en fait. Ça devient trop difficile pour eux. Il est plus facile de monter légèrement en travers pour rejoindre l'épaule là-bas. Ça passe facilement. Plutôt que de monter tout droit, surtout si c'est gelé ou boueux. Et voilà un léger replat, juste avant la petite côte là. Et après, ça va être le mur final là. Et voici la portion la plus abominable du parcours. Ça grimpe tout droit et c'est mortel. Alors si vous êtes mal chaussé, faut pas y aller. Hein, parce que c'est à moitié gelé et la descente c'est encore pire. Ouin ouin. Bam. Nice. Guigui. Quand te reverrai-je? Pays merveilleux. Ben, je suis content d'y être, hein. C'est super ici. Il y a encore du monde qui monte. Il va y avoir tout ça à redescendre. Dur, dur. Me voilà au sommet de la Grande Sassière. Ben, j'en ai chié. Un petit peu le mal de montagne. Grande euphorie, on va dire. Sauver de belles côtes. Très jolie cette vue sur le lac du Chevril.
très jolie petite aubergerie. Me voilà quasiment arrivé. C'est vraiment une course fabuleuse. Alors c'est pas facile parce que là-haut on est quand même à 3747 mètres. On manque un peu d'oxygène par moment. C'est une course que je conseille à tous les vrais montagnards. Si on n'a pas l'habitude, c'est pas la peine, c'est trop difficile. Voilà, mais c'est vraiment extraordinaire.